apprend et il nous élève. Et nous comptons bien continuer à poursuivre ce dialogue avec les Parisiens. Notre responsabilité, c'est de gouverner. C'est aussi une responsabilité d'écouter les Parisiens pour construire la ville avec eux dans une relation de confiance qui permet de grands changements et les projets nouveaux. 2017, nous l'avons aussi tous en tête, c'est un contexte national pour le moins mouvementé, avec une année très politique, marquée par des échéances électorales d'abord nationales, un paysage politique qui a été bouleversé, un paysage politique incertain, des appareils politiques largement traditionnels, largement mis à mal, et des repères traditionnels brouillés. Dans ce contexte troublé et profondément renouvelé, certains peuvent se demander, mais finalement, qui sont-ils à la mairie de Paris? Est-ce l'opposition ou est-ce la majorité? Est-ce le nouveau monde ou est-ce l'ancien monde? Est-ce le monde des anciens partis ou des nouveaux mouvements? Sont-ils dans le mouvement ou plutôt dans le conservatisme? La meilleure réponse, nous tentons, et je crois que nous le faisons, nous l'apportons chaque jour en réaffirmant finalement ce que nous sommes, c'est-à-dire être fidèles à nous-mêmes, être fidèles à nos engagements. Nous refusons les cases, nous refusons les étiquettes, nous voulons être utiles pour Paris et pour les Parisiens.